Amplifiez votre passion pour la guitare pour quelques euros par mois. Rendez-vous sur lachaîneguitare.com. Bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne guitare pour une nouvelle chronique Pédago Surprise. Donc là, c'est le moment où moi je suis comme ça, là, les miquettes à zéro. Mon tortionnaire du jour, c'est Romain Pilon. Romain Pilon, comment est-ce qu'il va bien ? Ça va. Je vais pas te torturer, hein, t'inquiète pas. D'accord, un petit peu, alors, mais pas trop hein, quand même. Hein. Donc, je suis donc ta victime consentante, comme je dis toujours. Qu'est-ce que je vais découvrir ? Écoute, on va parler un peu des pentatoniques. Et je vais parce que bon, les pentatoniques, c'est en général un truc qu'on aime bien sur la guitare. Ouais. Alors c'est un truc que j'appelle les pentatoniques paires. Peut-être ça va te dire quelque chose, mais en fait, en gros, tu vas me jouer un accord de sol mineur, tout simple. Puis tu vas même faire un sol mineur 7 si tu voilà. Et j'imagine que tu connais ta pentatonique de sol. Sol mineur. Je joue quasiment que ça d'ailleurs. Ok. Alors ce qui va être intéressant, c'est qu'en fait, ce concept entre guillemets hein, de pentatonique paire, c'est que tu vas pouvoir jouer sur beaucoup d'accords. Deux pentatoniques qui vont parfait. Être. Parfait, on adore donc, ça, recycler. Tu vas essayer de faire ça, tu vas me jouer un petit plan. Alors pareil, un truc qu'il faut éviter de faire, c'est les tirés de cordes par exemple. Parce que si tu fais des tirés de cordes, c'est interdit dans le jazz, là, on n'a pas le droit de faire de bend. Non, moi je trouve que c'est pas mal, mais pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Mais tu restes au même endroit. Donc par exemple, je te montre, je vais jouer sol ici, et là je vais pas bouger mes doigts, donc je vais switcher de position en fait. Tu vois ? Mais je suis resté au même endroit, et après je vais aller là. Amplifiez votre passion pour la guitare pour quelques euros par mois. Rendez-vous sur lachaîneguitare.com.